La ruche est de retour, Cardienne. Une petite armée se regroupe dans les profondeurs sous la glace polaire de Mars. Leur chef, Nokris, est un dangereux hérétique que nous devons stopper à tout prix. Anna, que savez-vous au sujet de Nokris? D'anciens ouvrages de la ruche expliquent que Nokris est le fils d'Oryx qui a été banni. Apparemment, il a fait alliance avec Zol, un des vers divins de la ruche, dans le dos de son père. S'est relevé. L'énergie provient de ces cristaux. Il s'agit d'une aura de feu de la ruche solidifiée. Vous devez les détruire au plus vite. Cherche à transformer Mars en zone d'incubation. Il faut arrêter Nokris. J'ai lu de nouvelles infos sur Nokris. C'est un nécromancien, ce qui est très rare pour un membre de la ruche. Il peut réanimer des membres morts de la ruche. Vous allez devoir les éliminer pour de bon. Thank you.
gardienne. Il déborde d'aura de feu. Énergies sont redevenues normales. Je savais que vous y arriveriez, gardienne. Merci, commandant. Nous sommes toujours prêts à aider.
La machine de guerre Cabal est en marche. Vous amorcez les mines, ou vous mourrez. Et la dernière manche. Un puissant guerrier Cabal vous défie. Un trésor vous attend. L'entendez-vous vous appeler ? Respirez. Vous avez survécu à la prison des vétérans. Retournez au sas. Un vieil ami vous attend. Rendez justice. Merci pour votre aide, Léju. Bon, eh bien, passons aux confessions. L'araignée m'a demandé de monter une équipe pour reprendre la prison au barreau. Vous avez fait ça très bien. Alors, je vais faire le ménage derrière vous et l'araignée pourra revendre cet endroit aux éveillés.
On veut notre part. J'aime votre style, mais vous avez déjà eu votre part. Elle est là, juste devant vous. Bon.
On dirait que c'est notre cible, le Chris. Attention, gardien. Déborde d'aura de feu. Excellent travail, gardien. Mars est en sécurité. Pour le moment.